Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Subnautica. On va essayer de partir dans cette direction, je sais pas, je balance une direction au pif, on verra bien. C'est en direction de notre base, plus ou moins, je sais pas si on y trouvera quelque chose. Oula, c'est sombre d'un seul coup, je vais allumer les lumières. On peut voir qu'il y a un gros tas là-bas, ça me dit vaguement quelque chose. Le gigantesque gros tas me dit vaguement quelque chose. C'est là qu'il y avait... Wow, ils sont deux! Ça c'est une queue. C'est là qu'il y avait une espèce d'anguille gigantesque, non? Mais finalement ça m'intéresse d'être venu par là. Rien que pour revoir cette anguille. Alors je sais pas à quoi ressemble ma coupe, c'est horrible. Voilà, on va mettre ça comme ça, c'est pas grave. Ah, par contre vous voyez, de là vous voyez plus mais... Ouais. Ouais, on va mettre ça là, tant pis, on verra bien. Comme ça, vous pouvez voir mes stats, au moins. Ah, mais je suis pas sur le bon, en fait. J'avais revised Subnautica. Ah, bah voilà, c'est mieux. Je l'avais retravaillé. Ok, bon, bah c'est bon. Bah, désolé, chers amis. Ça, c'est trop gros. Mais là, j'en viens de tout ça, non? Bon, c'est pas grave, on va par là. Ah, forcément, je m'en vais, il y a un message. Forcément. Tant pis, on y va par là. On passe dans le trou. On passe dans le trou. Y'a que les garçons qui peuvent comprendre à quel point c'est cool de faire ça. Oh. Ça ressemble à une pièce de Simos. Simos. Enfin, de ce que j'ai, quoi. Donc ça m'intéresse moins. Il semble y avoir encore un gros trou, là. Oula. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gros trous dans ce jeu. Oula. Ok. Non, j'ai pas envie d'aller par là. Si je peux l'éviter, après tout. Par là, y'a quoi? Par du vide? Y'a d'y avoir un truc dans le fond là, non? C'est un rocher? C'est un rocher, dommage. Ouais. Non, ça me. Je le sens pas, comme on dit. Ça, je sais pas ce que c'est! Ça, je connais. L'autre, je connais pas. Bonjour. Viens me voir. Tu fais vraiment de drôles de bruit, j'y vois plus rien. Oh putain. Ah non, je veux pas aller là-dedans. Non, 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 ça va aller, merci. Des bulles. Des trous profonds. Non, j'ai pas envie. Non, est-ce que je peux... Ouais, je vais revenir par là, ouais. Non, je pense pas avoir ce qu'il faut pour ça. Mais... Soyez un peu plus accueillant et agréable, s'il vous plaît. Oula! Non, j'ai dit que je voulais pas aller là-dedans, moi. Oulala! Quand je dis non, le jeu il me dit t'y vas quand même. Ok. J'aime pas l'endroit, c'est officiel. C'est con parce que j'aurais rien trouvé. On est où? Ok. Ok, pourquoi pas. Bon, on va aller par là. Oh, encore un trou. On y va. On pénètre, chers amis. Littéralement. Voilà. C'était pas si dur. Moi. Que des blagues sur ce genre de choses, ça va être très très long. À la longue. D'ailleurs, ça va être très très long. C'est aussi le titre de ma sextape. Waouh. Ah oui, c'est... C'est un changement... assez... incroyable. Ok.
Pourquoi pas, hein? Oh, je te reconnais! Ah, on est revenu sur nos pas encore, non? Y a pas encore, va pas encore y avoir des espèces d'îles flottantes, là? Ah, 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 c'est bon, les îles flottantes. Ok. T'as fait grossir, les îles flottantes. Je vais pas aller trop bas parce que... Voilà. En plus, j'y vois plus rien. Vous devez pas être loin, je vous reconnais, vous bande de bestioles. Attendez. On remonte par rapport... pour voir où est-ce qu'on est par rapport à l'Aurora. Ça m'intrigue. Ah bah putain. Ah, je suis pas... J'ai pas assez de vitesse. Attention, on va y aller, là, c'est bon. Et j'ai pas eu le temps de voir, c'est génial. Ok. Oh, mais j'y vois que dalle. La mort pourrait être juste à côté de moi que j'y verrais, que je la verrais pas. Pff, putain. Non, je stresse pas, c'est faux. C'est pas parce que j'ai beau allumer mes phares et que je ne vois rien que je dois rester stressé. Voyons. Ça, par contre, ce bruit-là me fait stresser. Bonjour. Wow! C'est des poissons tigres, non? C'est ça, non? Je les verrais bien s'appeler comme ça, je sais pas pourquoi. Limite, j'aimerais bien retrouver les îles de tout à l'heure. Mais je crois que pour ce coup-là, me retrouver dans ce merdier, ça va être compliqué. Et c'est là que tu te rends compte que t'étais vachement profond, en fait. Ok, bon. Pourquoi pas. Je crois qu'elles étaient un peu plus par là. Ah, le soleil se lève. Sur la planète Subnautica! Oula! Là, j'ai vu un truc, c'était pas... Narmol. Oh. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça a pas l'air trop habité autour. Là, il y a une table. Vous tapez dedans, là? Dégage. Voilà. Non mais où t'as cru? Déjà connu, ok. Le bruit métallique, ça m'intéresse pas. Ça fait peur celui-là. Merci. Tu es déjà venu ici ou bien? Ah, ça a l'air un... Je me demandais s'il allait m'attaquer ou pas en fait. Ça a l'air intéressant, non? Non, finalement non. Oh, ça me dit vaguement quelque chose, ce truc. Ouais, je suis déjà venu. Génial. Je suis déjà venu. J'ai cru voir de l'eau. Si, c'est pile ce dont j'ai besoin. Allez. Allez, Marcus. Tu peux trouver le... Voilà. Où est le Simos? Où est le Simos, là? Ok. C'était pas l'endroit le plus intéressant du monde. Encore une de ces cavernes bleues, là. Alors, j'aimerais juste... Voilà, boire un coup. Ça fait du bien par où ça passe. Encore un trou! Il y avait un trou en dessous aussi. Je passe par le trou en dessous. Parfois, faut savoir alterner les trous. Ouh! C'est plus joli que ce que je pensais.
Quand un coup est-ce que j'arrive pas à m'en sortir de ça? Wow. Berceau rouge. Qu'est-ce que c'est que ça? Forme de vie alien. Alien! Je prends un échantillon, mais ni plus, hein, ni moins. Forcément. Non, c'est bon. Aïe! Ça va mal finir cette histoire. Faut pas se voiler la face. Il va m'arriver une couille avec ce truc. Donc nous disions par là. Ah bah là il y a un bout de vaisseau devant. Ah non c'est un... Non, non c'est un caillou. J'y ai cru. Ah il n'y a plus beaucoup de lumière aussi dans le coin. Commence à aller profond là. Et on commence à la... Arrête de vouloir me faire flipper comme ça. Ok. Vis-à-vis de l'aurora, je suis où? Parce que j'ai l'impression d'être de me planter de sens à chaque fois que je fais quelque chose. Wouhou! Fait beau, hein. Base près de l'abysse, d'accord. Ok, bah c'est par là que j'ai envie d'aller, moi. Désolé. C'est dans le noir que j'ai envie d'aller, c'est cool. Oh là là, j'aime pas l'endroit. C'est pas accueillant du tout. Coucou toi à droite. Tu es toujours aussi belle. Salut. Salut, salut. On va longer le bord, on va pas replonger dedans comme un abruti. Aïe. Faut éviter de taper dans mon truc, s'il vous plaît. Merci. Ça a l'air profond comme endroit. Ces trucs-là pullulent. J'aime pas. Résumé de l'épisode, j'aime pas. Je me sens pas bien dans cet endroit. Pardon. Pardon, pardon. Je cherche juste des bouts de mon vaisseau, tu sais, pour améliorer ma qualité de survie ici, mais apparemment j'ai pas le droit. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oula, c'est... D'accord. Oui, je remonte, on va aller voir où est-ce qu'on est par rapport au... Au truc. Oh là 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 là, ça va plus. Ça va plus, ça va plus. Je sais pas s'il y a moyen d'avoir des coordonnées dans le jeu. Pour que je puisse savoir à peu près où je vais, parce que... C'est chiant. Ok. On va essayer de se rapprocher de l'aurora alors, tant pis. Ah, on est derrière l'aurora. Ah, ça me plaît moins. Parce que moi je sais ce qu'il y a derrière l'aurora. Il y a des grands serpents, de la mort qui tue. Je le sens pas. Quoique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Y'a une île? Non, c'est pas une île. Oula! Ah! Ah 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 ah! Ah! Ah ah ah! Ah, j'ai pas visité ce truc là. Non. 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 Ça rentre pas là-dedans? Il y a un paquet. Wow! J'ai vu l'ombre!
Ouais, quelque chose derrière. J'ai vu l'ombre avant de voir la bête. Oh putain. Oh le coup de stress. Va-t'en. Va-t'en, va-t'en. Putain, il y a un truc là. D'autres bouts dans le coin. Des bruits métalliques. Merde, c'est pas ça que je veux. Putain. N'empêche qu'il me cherche, ce con. C'est bon, il est parti. Hop. Il me prendra jamais ici, de toute façon. Oh, le stress. Putain, j'ai vu l'ombre du truc avant de le voir. Oh, la gueule. Ah, c'était flippant. Là pour le coup, j'ai eu ma petite dose. Putain, v'là le dernier bout. Où est-ce qu'il est? Il est pas là. On a le pont. On a le pont. On n'est pas prêt d'avoir fini de construire le. Oh putain, il y a un truc là. C'est pas un truc que j'ai déjà? Propulsion, c'est ce que j'ai déjà, non? Putain, merde. On doit être dans le coin, on doit pouvoir tout trouver, à mon avis. Débris métalliques. Pont de cycle. Non, pont, je l'ai déjà aussi. Merde, le pont, je l'ai. Ce qu'il me faut, c'est la coque. Apparemment il s'est barré. Pour combien de temps? J'en sais trop rien. Est-ce que c'est définitif? Non. Là on peut pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah putain, je suis sous l'aurora. D'accord. Ok, ça explique beaucoup de choses. Ok, aïe. Si j'avais su qu'il y avait des bouts de cyclope ici. Putain. Comment bien te faire chier. Enfin, c'est pas tant que ça me fasse chier. C'est que ça me fasse... Il vient de se passer un truc, j'ai pas compris. Je crois qu'il y a un truc qui a dû me tomber dessus parce que j'ai l'impression d'avoir... Je suis juste cogné ou quoi? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Ça, ça va pas être intéressant pour nous. Ça, c'est encore une fois le pont. Apparemment, il y a des choses ici. Je sais pas si je peux... Cutter laser. Imaginons. Non, ça marche pas. Oh putain, si ça marche. Oh, oh le bonheur. Oh le bonheur.
Merci. Ça, c'est du lithium. J'aimerais qu'on puisse trouver autre chose que le pont. Mais je crois que pour le moment, ça va être le pont. Par contre, en termes de radiation, il y a de plus avoir grand-chose. Hein. Donc si je dois y revenir, chers amis, dites-le moi. Je serais ravi de l'apprendre. Quoi? C'est rien, ça? Ah, c'est la déception. Alors là, c'est la déception. Bon, ok. Ok, ok. Bon, on va aller voir le message qu'on a reçu. On est dans l'épisode 21 minutes, ça va, on a encore un petit peu de temps. On va aller voir le message qu'on a reçu. On va aller se boire un petit coup d'eau aussi au passage, si c'est faisable. On récupère un petit peu d'air sac sur le trajet, pardon. Je vais y arriver. Sur le trajet, hein. Ok. Qu'est-ce que ça? C'est moche. T'es trop moche pour vivre, dis-moi. Ok, la revoilà. La grosse murène. Inventaire plein. Tu sais quoi, la grosse murène? On va être copain-copain, toi et moi. Ah, j'ai pas droit. Apparemment, j'ai pas droit. Distributeur automatique, d'accord. Et donc, je peux pas prendre un truc genre ça. Il veut absolument que je prenne strictement rien, c'est cool. Ah, ça y est. Non, passe pas. Vas-y, fais tomber ça, je me donne un air sac supplémentaire, merci. Où est mon Simos? Voilà, il est ici. Et on rentre à l'abri. Oula, il y a mon chien qui aboie. Quelqu'un qui a dû faire le con dehors encore. Ah, je me suis pris mon propre Simos dans le cul, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Désolé. Ok. Bon, on a reçu un message. On va aller voir le message une fois qu'on aura fait notre bouffe, notre machin, notre bidule. Voilà, on était dans les temps. Dis-moi tout. D'accord, ok, pourquoi pas, intéressant. Est-ce que j'ai du sel sur moi? Non. Est-ce que je peux avoir un tout petit peu de bouffe? Voilà. Ouais, carrément, tu t'es dit, si moi je m'envolais comparé à mes camarades qui, voilà, qui nagent, voilà, parfait. Ok, c'est bon, on peut manger un petit coup du coup. Bon, du coup, je sais pas trop comment on va faire pour le prochain. Oh là 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 là. Enfin bon. On va aller, tiens, si pour le prochain épisode on va aller voir directement, bah vous savez quoi, le dernier signal. Parfait, on a pu remonter. Et ça, je sais pas ce que ça va me faire, mais ça va me faire surtout chier, j'ai l'impression, voilà, tout à fait. Donc, putain, mais la murène, c'est quoi cette murène? C'est quoi cette murène? Je sais pas. Donc les amis, nous on va se laisser là pour cet épisode, merci d'avoir laissé Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yop!